Bonjour, et il est toujours difficile de suivre une photo aussi magnifique que celle de ces deux jumelles. Donc, they say in show business, never fall. On dit que dans le spectacle, on ne doit pas suivre les chiens et les bébés. Via Rael, fondée en 77, comme société de la couronne fédérale, et rassemble des services ferroviaires, des passagers de Canadien Pacifique et de Canadien National à l'époque, qui était aussi une société de la couronne. Voilà la toile de fond. Aujourd'hui, Via Rael est toujours une société d'État. Le seul actionnaire est le gouvernement du Canada. C'est donc votre compagnie. Vous êtes Canadien. À propos du 150e anniversaire du Canada, je voudrais vous dire que ça nous présente une possibilité d'écouter, d'apprendre et de vivre l'idéal canadien. Aujourd'hui, jusqu'en 27 et après 27, devrait marquer le moment où les Canadiens reconnaissent dans leur quotidien, un peu comme on l'a été invité par d'autres ce matin, d'apprendre le Canada, d'en savoir plus en s'écoutant les uns les autres, en entendant nos histoires et à apprendre à vivre le Canada, qui, pour le reste du monde, est un symbole de liberté, d'intégration sociale, de justice. Oups. So let's start with our history. Commençons par notre histoire. Le chemin de fer était au cœur de la construction du grand pays. Dès que l'État décidait de relier l'océan Atlantique, où il y avait les premiers colons, jusqu'à l'océan Pacifique, et le chemin de fer était la façon de procéder. Beaucoup d'hommes à l'époque ont perdu leur vie dans cet effort. Vers cette bande d'acier n'a pas été perdue sur le reste de l'univers, le reste du monde, qui a vu la capacité du Canada de s'établir à travers un pays aussi large. Et donc, l'immigration du Canada s'est faite à travers les chemins de fer. All of us in this room at different times. Nous sommes tous dans la salle, sauf pour nos aînés, qui nous bénissaient ce matin, tous ici venaient de l'étranger. Et c'est le chemin de fer, dans la plupart des cas, permettait aux gens de connaître le pays de nos aïeux, de nos pères pour certains, créé pour nos familles. Le chemin de fer est au centre de l'avènement du pays. Vimy Ridge, in the First World War. Vimy Ridge, Première Guerre mondiale. C'est là que le Canada est devenu mûr. D'après l'histoire, et le chemin de fer sortait les troupes de collectivité en passant par Halifax, sur le Pacifique, dans ces deux grands conflits qui, malheureusement, constituaient la maturité du pays. De nos jours, quand on voit ce patrimoine, effort et tout ce courage nous donne des marques et des sociétés qui, à partir de l'idéal de ce ruban d'acier de John A. Macdonald, nous donne des marques dont on peut tous être fiers. Des sociétés de la couronne dédiées et dévouées au progrès social des Canadiens ou son progrès économique, ou des entreprises canadiennes qui ont trouvé leur façon de marquer les Canadiens dans leur quotidien. So this is today. Voici le réseau de Via de nos jours. C'est toujours entre les trois océans. C'est toujours la meilleure façon de voir le Canada. La plupart de nos passagers se trouvent entre Québec et Windsor, mais beaucoup, de plus en plus, traversent le pays en train. On peut voir des ours polaires si on prend le train jusqu'à Churchill.
Ayez votre manteau, soyez prudent. Les ours sont beaux dans une pub de Coca-Cola, mais personne n'ose parler d'autre chose. Voilà pourquoi nous étions partenaires l'an dernier avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne. C'était très logique pour nous d'offrir aux néo-canadiens, dans la première année de citoyenneté, un grand rabais pour eux et leur famille, pour un voyage dans la première année de citoyenneté, n'importe où au Canada qui voulait visiter. C'était notre façon de remercier ces gens d'avoir choisi le Canada, de remercier pour leur travail, leur innovation, leur créativité. Nous, les Canadiens, et pour le Canada, de les intégrer dans notre société en leur montrant ce qu'est le Canada au-delà de la communauté immédiate dans laquelle ils se sont établis. The same symbolism, le même symbolisme expliquait l'annonce faite en 2011 d'un tarif spécial pour les membres des forces canadiennes. Nous saluons non seulement le rôle passé du chemin de fer dans les conflits, mais surtout, nous saluons leur courage, leur conviction, leur engagement vers le Canada. Donc, en tant que Canadiens, nous les félicitons et nous facilitons leur déplacement au Canada. C'est un pays à découvrir, oui, et le train nous offre cette possibilité. Alors que vous êtes assis dans le train et que vous voyez les pays énormes mentionnés par Gillian, pour beaucoup de nouveaux Canadiens, qui pour la première fois voient des terres plates pendant longtemps autour de Winnipeg ou à Saskatoon, ou commencent à voir les rocheuses alors que l'on passe à Edmonton, à Vancouver, le long de la rivière Fraser, et on rencontre, on voit les paysages, mais on rencontre aussi des gens. Et les gens que l'on rencontre dans le train représentent le Canada. Ces gens viennent de différents milieux, ont des expériences diverses. Ces gens viennent de collectivités canadiennes ou étrangères. Le train offre un certain confort. On peut causer. Il y a ce café, ce repas. On peut parler plus longuement. Il y a même la voiture bar pour avoir une conversation plus éclairée. Apprendre à connaître les Canadiens et d'apprendre à se connaître entre nous. Et c'est aussi, évidemment, une façon de vivre une expérience canadienne. J'ai déjà mentionné les ours polaires, les baleines du Pacifique ou de l'Atlantique. Les repas servis sur Via Rail sont des repas arrosés de vin canadien, avec des plats canadiens. Vos crêpes le matin sont servies avec du sirop d'érable. Et les... whether it be des... que ce soit... le côtelette d'agneau, ou le saumon, ou le bœuf du Pacifique ou de l'Atlantique. C'est du saumon canadien. C'est donc une expérience canadienne. Il y a aussi des artistes à bord du train, tous des Canadiens. Nous encourageons les artistes canadiens de ville en ville. Ils offrent leur créativité à des voyageurs. Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, à compter de juin, dans le train VIA, vous pourrez voir un contenu culturel sur iPad, votre téléphone, votre appareil, pendant que vous voyagez. Mais votre contenu sera canadien, fourni par Radio-Canada, CBC, Historique de Manian, Minute du patrimoine, fourni par l'Office national du film. Il y a une capacité pour la production canadienne. Vous pourrez voir des films réalisés par des Canadiens, créés par des Canadiens, avec des comédiens canadiens. Nous voulons vous offrir une expérience canadienne pour que nous connaissions tous mieux le Canada et d'être reconnaissants. Alors, si en 2017, plus de Canadiens devenaient touristes au Canada, connaissaient mieux le Canada en visitant des collectivités tout à fait différentes de celles qu'ils habitent. De voir les grands paysages du pays et d'apprécier la capacité de vivre sur un grand territoire en sécurité, avec une telle camaraderie,
une telle intégration sociale et découvrir dans cette intégration les diverses cultures qui font du Canada un laboratoire de collaboration dans le genre humain pour que les gens puissent vivre ensemble et être heureux, comme quelqu'un l'a dit ce matin. Notre rêve en 2017, c'est que les Canadiens partagent leur histoire à bord de nos trains. Je vous parle de mon histoire. C'est un exemple. En 1945, un train a amené ma mère du quai 21 à Montréal. Elle revenait de Belgique après le conflit. Elle s'est établie à Montréal, danseuse de ballet, dans un pays où il y avait beaucoup de neige et pas de compagnie de ballet à l'époque. Mon père venait en 1951 de Naples. Et étant fermier en Italie, c'était pas très prometteur. Il pensait qu'au Canada, il pourrait travailler sur une ferme. Il a eu un emploi dans un champ de tabac à Joliette, Québec. Les deux se sont rencontrés. Et je suis le produit de cette rencontre. Les deux, de différentes situations, dans un cas très sombre pour ma mère. Elle était en prison, nazie, et mon père était dans le champ vert d'Italie, le cotonnable. C'est peut-être romantique, mais avec peu de perspectives, pour deux raisons différentes. Les deux sont venus au Canada, comme bien des parents, des gens dans la salle. Vos grands-parents, vos aïeux. Ces gens avaient un rêve, une vision du Canada. Il m'incombe, et j'en ai parlé à mes enfants, de réaliser ce rêve. Alors que nous partageons parmi nous ces histoires, nous reconnaissons la grandeur du pays. J'ai une vie très digne et heureuse à cause de ce rêve. Et cela n'aurait pas pu se faire ailleurs qu'au Canada. Permettez-moi de citer Tolstoï, Léo Tolstoï, tout ce que je sais sur le Canada, c'est car j'aime le pays, comme vous. Merci beaucoup.